la seule voie qui assure notre avenir, celle dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est à nous, à vous de la tracer. C'est la refondation d'une Europe souveraine, unie et démocratique. Ayons ensemble l'audace de frayer ce chemin. Au début de la prochaine décennie, l'Europe devra ainsi être dotée d'une force commune d'intervention, d'un budget de défense commun et d'une doctrine commune pour agir. Un budget ne peut aller aussi qu'avec un pilotage politique fort, par un ministre commun et un contrôle parlementaire exigeant au niveau européen. Seule la zone euro, avec une monnaie forte et internationale, peut offrir à l'Europe le cadre d'une puissance économique mondiale. Mais une puissance économique durable ne peut se construire qu'autour d'une même monnaie. C'est pourquoi je suis profondément attaché à l'ambition de la zone euro. Mais je sais que sa réponse ne sera ni le repli, ni la timidité. Je sais que comme à chaque fois que son pays a été face à des défis historiques, elle aura la même réaction. L'audace est le sens de l'histoire. Et c'est cela ce que je lui propose. Je propose en premier lieu à l'Allemagne un partenariat nouveau. Nous ne serons pas d'accord sur tout, ou pas tout de suite, mais nous discuterons de tout. À ceux qui disent que la tâche est impossible, je réponds, vous vous êtes habitués à la résignation. Pas moi.